Bonjour, je vous propose une petite séquence de Tai Chi Chuan, un peu limitée dans l'espace, mais c'est à cause du confinement. Vous démarrez pied largeur des épaules. Le Tai Chi est un art martial, tout s'explique en attaque et en défense, et donc on commence par un salut. Laissez monter vos mains dans la diagonale, fermez le point droit, emmenez votre poing vers la main gauche. Séparez. Éloignez vos poignets de fond, éloignez les pieds dans le sol et saluez. Le mouvement des mains nuages, c'est un mouvement de coordination. Si ça vous paraît complexe quand vous voulez le faire, surtout ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. Laissez monter vos poignets devant. Tournez dans vos poignets. Puis laissez faire le poids de vos épaules qui tombe vers la terre, le poids de vos coudes, ça rapproche vos bras, sortez vos poignets et éloignez-les de vous vers la terre. Puis fléchissez, passez tout votre poids à gauche, ramenez votre main droite, écartez un peu ou vos coudes et amenez votre main droite devant le sternum. Nuage à droite, soulevez votre poignet, hauteur des yeux, suivez votre main droite, tournez-la vers la diagonale, éloignez-la de vous et revenez au centre. Prenez un temps d'arrêt dans cette posture, au niveau des épaules. 2. Soulevez votre poignet gauche, hauteur des yeux, emmenez votre main par votre poignet, emmenez-la à gauche. Tournez le poignet, repoussez dans la diagonale gauche. Revenez au centre. Votre bassin reste en face, comme si vous étiez assis sur un tabouret. Votre buste tourne. N'allez pas trop loin si vous avez du mal à séparer votre bassin et votre buste. Soulevez hauteur des yeux et écartez à droite. Tournez le poignet droit vers la diagonale. Revenez au centre. Quatrième nuage, soulevez le poignet, écartez à gauche. Tournez dans la diagonale, repoussez loin, mais votre coude reste fléchi, revenez au centre. Dernière série, nuage à droite. Nuage à gauche. Puis écartez votre main droite, repassez tout votre poids à gauche. Venez croiser vos poignets. Soulevez vos poignets. Séparez les hauteurs de la gorge. Lâchez le poids des coudes vers la terre. Et plus vous éloignez vos poignets vers le bas, plus vos pieds se repoussent dans le sol. Et votre mouvement se termine en même temps. Avec les mains vers le sol et les jambes qui se redressent. Et maintenant, on teste en mouvement. Vous allez vous amuser à vous dépasser en crabe. Je vous montre, on écarte le pied gauche, mais on ne passe pas le poids. On garde les pieds parallèles, on se déplace dessus. On prend, on repousse son pied dans le sol, on ramène le pied droit. On passe tout son poids à droite, on écarte le pied gauche, puis on se propulse dessus, on repousse le pied gauche dans le sol, on le ramène, etc. Donc, pied parallèle, vous reprenez le même mouvement, vous laissez monter, vous éloignez vos poignets vers la terre et vous fléchissez. Vous n'ouvrez pas votre jambe, vous vous placez simplement votre poids à droite. Soulevez pied droit et écartez. Repoussez dans la diagonale. Comme un appui vers l'extérieur dans la diagonale, vous ouvrez un peu plus avec votre pied gauche. Vous soulevez votre main gauche. Et vous soulevez hauteur des yeux. Et seulement à ce moment-là, vous
Vous propulsez du pied droit dans le pied gauche. Vous regardez votre main, vous l'éloignez dans la diagonale. C'est comme on appuie sur quelqu'un ou sur un mur. Vous pouvez ramener votre pied droit à côté du pied gauche. Tout le poids est à gauche. Vous soulevez votre moteur des yeux. Vous transférez votre poids du pied gauche dans le pied droit pour accompagner votre main. Vous dégagez dans la diagonale. Vous éloignez votre pied gauche. Vous soulevez votre main gauche. Vous vous propulsez du pied droit dans le pied gauche pour écarter à gauche. Vous repoussez dans la diagonale. Vous ramenez votre pied. Vous écartez à droite. Vous replacez votre pied largeur des épaules. Vous venez croiser vos mains. Vous soulevez hauteur de la gorge. Vous séparez. Et plus vous repoussez vos pieds dans le sol, vos jambes s'allongent et vos bras, vos mains viennent comme si poussaient l'air jusqu'au sol. Et pour terminer, saluez. Qing Li. Bonne pratique.